Orville Tanner, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne prononce la sentence? Je n'ai fait que mon devoir. Donc, vous aviez raison de tuer femmes et enfants. J'ai fait mon devoir. Vous êtes condamné à mort. Mon devoir. Mon devoir. Mon devoir. Mon devoir. C'est moi, amigo. Asseyez-vous. C'est du bon vin. Vous l'aimerez, je suis sûr. Il est frais. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. Et vous vous asseyez pas. Vous voulez bien les goûter. Vous me feriez un grand honneur. Vous n'avez pas confiance? C'est ça.
Ça doit être juste. Alors, tu fais des progrès ? Tu ne comptes plus avec les doigts ? Je peux pas, j'ai trop reçu de coups de règle. Très drôle, vraiment très drôle. Bravo. Tâche de finir ce problème avant ce soir, je vérifierai plus tard. D'accord. Et ne te trompe pas. Tant que je me souviens, je n'avais pas autant de difficultés que lui à l'école. Oh, s'il se trompe en comptant les vaches, tu seras là pour le corriger. Merci pour ta confiance. Mais c'est tout naturel. Tu connais mon offre. Oui. Dis au général que j'y laisse ma chemise avec les prix que je lui ai fait. Bien, dès que j'ai du nouveau, j'envoie un télégramme. D'accord. Bon voyage. Merci. Si j'étais toi, dès que j'aurais fini mes devoirs, je jetterais un œil sur son livre de comptes. Je n'y manquerai pas. Ah, si j'étais toi, je serais déjà sur mon cheval, Joseph. Sinon, tu seras à Fort Lowell pour le réveillon. Oui, je m'en vais. Salut tout le monde. Je serai de retour dans une semaine. À bientôt. Salut. Tu trouves que tu n'as pas assez de devoirs comme ça? J'ai tout fini. Ah. Bien. Apporte-moi ton cahier. Voyons ça. Si tu veux. C'est très simple. Bien. Il y a une erreur C3 au lieu de 5. Ah, tu as trouvé ton erreur tout seul. Non, 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 pas mon devoir, papa. Sur ton livre de compte, là, dans la colonne du fourrage, si tu ajoutes 3, ça doit te donner 5. Oui. Tu as raison. C'est un 5, en effet, merci. Tu as l'œil, c'est bien. C'est normal. J'ai donc 28. Ensuite, j'ai 28 plus 2, ce qui me donne 30. Pas entendu arriver. J'ai vu le feu de là-haut. Je peux vous tenir compagnie? Bien sûr, venez vous asseoir. Je m'appelle Joe Cartwright. Oh, ville tanner. Tout ce que je peux vous offrir, c'est des haricots bien chauds. C'est pas si mal. Et je vais desseller mon cheval. Je les remets au chaud. Je vous dérange pas, vous êtes sûr? Non, au contraire. J'ai eu de la chance de tomber sur vous. Tout le monde n'est pas aussi sympa. J'en ai pour une minute. C'était délicieux. J'y suis pour rien, j'ai eu une excellente casserole. Vous étiez dans l'armée? Pourquoi vous demandez ça? À cause de vos bottes, on en voit que dans l'armée. Oui. J'y étais, oui. Il y a bien longtemps. Mauvais souvenir? Non, en réalité, j'adorais ça. C'est vrai. Je traquais les Indiens. J'étais un excellent traqueur. Ouais. La plupart des gens croient que les meilleurs traqueurs sont les Indiens, mais c'est fou. Je suis meilleur que... J'ai plus de flair. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à m'échapper. Chasser un être humain n'a rien de très noble. Je pensais comme vous, moi aussi. Puis un jour, ça devient un besoin. N'importe qui peut traquer un animal sauvage, un jaguar, un daim. Quel intérêt de tuer des animaux? Mais un homme, c'est différent. Et très instructif. Ah oui? Pourquoi? Faut vouloir survivre.
être intelligent. Tuer, c'est naturel chez les animaux. Un homme, c'est un animal avec un peu de cervelle. Tanner, vous n'êtes pas sérieux. Et vous oubliez qu'un animal ne tue que pour se nourrir. Vous trouvez normal de tuer pour se nourrir? C'est ce qu'on appelle la loi de la nature. La loi de la nature. Je commence à avoir sommeil. À demain. Je m'occuperai du petit déjeuner demain, c'est la moindre des choses. Je vais vous prendre au mot. Alors, à demain. Bonne nuit. Orville Tanner. Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne prononce la sentence? Je n'ai fait que mon devoir. Donc vous aviez raison de tuer femmes et enfants. Mon devoir. Vous êtes condamné à mort. Mon devoir. Mon devoir. Mon devoir. Quoi? Rien, je parle tout seul, ça m'arrive de temps en temps. Bonne nuit. Bonjour, Joe Cartwright. Tu as bien dormi? À quoi vous jouez? C'est pas drôle du tout. Tu n'aimes pas les plaisanteries? Moi non plus, ça tombe bien. Vous avez ma sacoche et mon cheval, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne veux rien du tout. Ce que tu veux, par contre, m'intéresse énormément. De quoi voulez-vous parler? Hier soir, tu as dit qu'un animal tue pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est toi l'animal. Je t'ai pris ta nourriture, donc il faudra me tuer pour manger. Vous pouvez tout garder, ça m'est égal. Ah, tu crois ça? Il faudra bien que tu essaies de me tuer. Mais je ne vous connais pas, je ne vois pas pourquoi. Pour prouver deux choses, que je suis un grand traqueur et qu'un animal tue uniquement pour se nourrir. Nous ne sommes pas des animaux. C'est ce que nous verrons, Joe Cartwright. Je te donne 4 heures pour t'en aller. Après, je pars à ta recherche. 4 heures. Alors, réveille-toi, Joe. Ne perds pas de temps. Cours. Tu as 4 heures. Encore une heure.
courage, j'ai traversé la rivière et j'ai continué tout droit. C'est à moi. Comme c'est bizarre, sa veste. Il va me faire croire qu'il est allé tout droit. En fait, il me surveille de là-haut. Il va pas tarder à reprendre sa course. Comme un animal traqué. Faire le suivre à pied. Ça commence à m'intéresser. Appuyez-vous à la barrière. J'ai essayé de vous porter à l'intérieur, mais j'ai pas pu. Un revolver, vite. Quoi? Je suis poursuivi par un dingue. Vous avez un revolver? Je l'ai jamais eu. On peut le monter? Ah oui, il est vieux, mais très rapide. Prenez ça, je vous l'achète. Oh, il vaut pas autant que ça. Il les vaut pour moi. Gardez tout. J'ai une selle dans la grange, je crois que je peux vous en faire cadeau. Hein. Je vais la chercher. Merci. Il
qui a bien pu faire ça? Tu as triché, Joe Cartwright. C'est une affaire entre toi et moi. Tant pis, on repart à zéro. Et cette fois, je ne te donne plus qu'une heure pour t'enfuir. Ce sera ta punition. Vas-y, cours. Tant que tu cours, tu restes en vie. Une heure. Je me casse le bras. Il faut que je le remette en place. Je ferais mieux d'y aller. Dans les rochers, il ne pourra pas me retrouver. Cache peut-être dans un buisson.
Voyons ça. Pas de précipitation. Il a arraché une petite branche. Pourquoi faire? On ne sait rien, mais il y a sûrement une raison. Il a un couteau. Pourquoi a-t-il coupé cette branche? Pourquoi? Attends un peu. Il s'est cassé quelque chose en tombant et il s'est fait une attelle. Excellent, un animal blessé est plus dangereux. De mieux en mieux. Est-ce qu'il est loin? Il a peut-être perdu ma trace? J'ai mal. C'est pas le moment de se plaindre. Il a peut-être abandonné. Non, tu veux rire. Il faut que tu montes plus haut. C'est ta seule chance. J'ai de quoi manger, c'est toujours ça. Allez, remue-toi. Il faut que tu arrives en haut. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis trop fatigué. Tu ne peux pas me retrouver sur un terrain comme ça. J'ai sommeil. C'est pas possible. Comment fait-il? Si j'avais mon revolver ou autre chose qui pourrait le blesser. J'ai une idée. Un piège. Oui, c'est ça, un piège, histoire de le ralentir un peu. Oui. Il faut qu'il me suive. Thank you.
t'es forte. Tu y es presque. C'est salé. C'est de la sueur. Joe Cartwright. Il vit encore. Il doit pas être très loin. Il croit pouvoir m'échapper dans les rochers. Il ne sait pas à qui il a affaire. Pour toujours. Et pas pour longtemps. Poussons-le à bout. Il abandonnera. Ils abandonnent tous. Maintenant. T'as l'heure. Ça va marcher. Je reprends le même chemin. Il tombera dessus tout seul. Ça va marcher. Ça a marché. Je peux y retourner. Non, attends. C'est peut-être une ruse. Il a vu le piège et il fait semblant d'être tombé dedans. Il est malin. Il en est très capable. Non, continue à courir. Continue à courir. Remue-toi. T'en sors pas trop mal. La chance, Tanner. T'aurais pu faire attention. Il est très malin. Ouais. Il essaie de gagner du temps. Bravo. J'ai de l'eau, lui, non. On ne pourra pas courir encore longtemps. Il va abandonner. Pour de bon cette fois.
J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis sauvé. J'abandonne. Non, je ne veux plus courir. Je ne veux plus courir. Il faut que je trouve quelque chose. Il le faut. Mais quoi? Il est là. Cette fois, je l'ai.
me sortir. Ne m'enfermez pas, je vous en supplie. Non, ne m'enfermez pas. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'étiez pas là. Laissez-moi sortir. Caporal Orville Tanner. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que je ne prononce la sentence? J'ai fait mon devoir. Donc, vous aviez raison de tuer femmes et enfants. J'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. Vous êtes condamné à mort. Non. Vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort. J'ai fait mon devoir! Réveillez-vous, jeune homme. Et buvez un peu de whisky, ça vous donnera des forces. Tanner. Il faut capturer Tanner. Si vous parlez de l'homme qui est enfermé là, il n'y a plus de danger. Il est mort. Quoi? Ah, j'ai pas compris pourquoi, mais il avait de la nourriture, il avait de l'eau. C'est peut-être le cœur qui a lâché. Étiez un de ses parents? Non. Je ne sais pas qui c'est. Hein? Vous êtes condamné à mort.